Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment travailler nos gammes efficacement pour improviser. En effet, que l'on soit débutant ou que l'on ait déjà un petit peu de pratique, on peut avoir tendance à tout simplement mal exécuter nos gammes. Ou alors faire des exercices qui sont absolument inefficaces. Le cas typique, ça va être de simplement monter et descendre ces gammes. En effet, il est rare d'entendre une improvisation où on va avoir juste cette montée ou cette descente de gamme. Ce n'est pas un motif qui est forcément récurrent ou qui va être très utilisé. Au contraire, on va essayer de s'imaginer que nous sommes des dessinateurs et qu'on cherche à faire des lignes mélodiques. Et pour que ces lignes soient intéressantes, on ne va pas juste faire des montagnes qui montent, qui descendent. On va essayer de rendre un paysage un peu plus intéressant en faisant différents types de dessins. Et une excellente façon de commencer à aborder ce genre de choses, c'est le fait de travailler sur des motifs. En anglais, on appelle ça des patterns. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer vos propres patterns à partir des gammes et nous allons voir ensemble concrètement des exemples pour voir comment les travailler. Je vous encourage vivement à travailler ces patterns. Vous verrez que vous ferez des improvisations qui seront beaucoup plus intéressantes derrière et vous aurez bien mieux vos gammes dans les doigts et dans l'oreille. Tous les patterns que je vais vous proposer dans cette vidéo vont être basés sur la gamme de Do majeur. Évidemment, vous pouvez reproduire ces schémas sur n'importe quelle gamme, qu'elle soit majeure, mineure ou tout autre mode. Alors voici comment ça se passe concrètement avec le premier pattern. On va se baser sur des chiffres qui vont nous donner notre motif. Ici, ça va être 1, 3, 2, 1. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en Do majeur. Le 1 va être le Do. Le 3, ça va être la troisième note de la gamme. Donc Do, Ré, Mi. Donc ce sera un Mi. Et le 2 sera le Ré, la deuxième note de la gamme. Et on terminera à nouveau sur le 1, donc le Do. Vous aurez compris que la base du motif, c'est Do, Mi, Ré, Do. Je vous encourage à jouer vous aussi ce motif depuis chez vous. Ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va prendre la même chose, mais à partir du Ré. Pour la suite de cet exercice, on garde la même suite de chiffres. 1, 3, 2, 1. Mais cette fois-ci, on part du Ré. Donc le Ré, c'est notre nouveau 1. Ensuite, le 3, ça va être le Fa, puisque Ré, Mi, Fa, la troisième note à partir du Ré. Le Mi, c'est le 2, et à nouveau le Ré. Donc ça fait maintenant Ré, Fa, Mi, Ré. Si j'enchaîne ces deux premiers patterns, on a Do, Mi, Ré, Do, puis on monte d'un étage et on fait Ré, Fa, Mi, Ré. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de comprendre là où nous sommes en train d'aller. Donc maintenant, nous allons faire la même chose, mais à partir du Mi. Le Mi, c'est le 1. Le 3, ça va être le Sol. Le 2, ça va être le Fa. Et on revient sur le Mi. Donc Mi, Sol, Fa, Mi. Maintenant, nous allons continuer à monter. On va faire tous les motifs un à un. Et à la fin, on enchaînera tout. Donc maintenant, nous sommes sur le Fa. Et on va faire Fa, La, Sol, Fa. Ensuite, on part du Sol et on va avoir Sol, Si, La, Sol. Puis La, Do, Si, La. Puis Si, Ré, Do,
Si. Et on termine la suite de ces patterns en tenant un Do aigu. Alors si je résume tout ça, on part de la première note de la gamme, le Do. À partir de ce Do, on fait un motif 1, 3, 2, 1. Ensuite, on répète ce motif à partir de toutes les notes de la gamme. Donc on est parti du Do, ensuite on fait la même chose à partir du Ré, et on fait 1, 3, 2, 1 à partir du Ré, puis à partir du Mi, 1, 3, 2, 1, à partir du Fa, 1, 3, 2, 1, etc. jusqu'au Si, et on terminera sur le Do. Si je vous joue tout enchaîné, voici ce que ça donne. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais en descendant. On part du Do aigu. On fait encore 1, 3, 2, 1. Donc ça va faire Do, Mi, Ré, Do. Ensuite, on passe sur le Si et on fait 1, 3, 2, 1. Si, Ré, Do, Si. Ensuite, ce sera La, Do, Si, La. Puis Sol, Si, La, Sol. Fa, La, Sol, Fa. Mi, Sol, Fa, Mi. Ré, Fa, Mi, Ré. Et on termine sur le Do. Nous avons donc ici le même principe, sauf que notre motif, on le fait en descendant la gamme. Voici à quoi ça ressemble lorsqu'on le joue en entier. Une fois que vous arrivez à l'enchaîner lentement, vous n'avez plus qu'à accélérer petit à petit pour vraiment vous mettre le motif dans les doigts. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez plus de conseils pour apprendre le jazz à la trompette, je vous invite à vous inscrire au kit de démarrage de la trompette. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Vous verrez à l'intérieur les bases de la trompette et vous aurez aussi accès aux ressources du jazz. En plus de ça, je mets à jour régulièrement cette formation et je vous donne régulièrement des conseils par email. Donc, pour accéder à tout ce package, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Tout ce contenu vous est offert de bon cœur. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !